Belgian prom. The Belgian probably it's a chocolate inside a cream. The cream is black ganache, caramel, coffee, tea. Aujourd'hui, je pense qu'on appelle une praline belge. Alors, une praline belge, c'est simplement un chocolat fourré. Le fourrage, il peut être aussi bien salé que sucré. Ça peut être de la ganache, du caramel, du café. Ça peut vraiment être tout ce qu'on veut. In the past, the first chocolatier used a molds in metal. But the metal is really heavy and really cold. Donc, dans le passé, les premiers moules étaient en métal. Gros, gros problème du métal, c'est que l'or de chocolat. And now I tape for remove the air bubbles. The air bubbles make the hole. The hole is the beauty. Maintenant, je vais venir tapoter pour retirer toutes les petites bulles d'air, parce que les petites bulles d'air, ça fait des petits trous, et les petits trous, ben, c'est pas très très joli. I take out, je vide. My shell is finished. Ma coque est terminée. And here it's after crystallization. Et dans mon autre main, c'est après la cristallisation. I don't fill completely. For close the praline. Je remplis, mais pas complètement, tout simplement pour pouvoir refermer par la suite. Here it's a praline speculoos. Praline, it's hazelnut caramelized, and speculoos, it's the Belgian cooking for testing the chocolate in the machine. Donc c'est un praline speculoos. Donc le praliné, c'est à base de noisettes caramélisées, et le speculoos, c'est tout simplement le petit biscuit belge qu'il y a à la machine pour tester le chocolat. This cream is a little crunchy, donc cette crème est un peu croustillante. And now I close the praline, et maintenant j'ai plus qu'à refermer. It's closed, c'est fermé. And 10 minutes. La cristallisation est complètement terminée. And et. The remove it to be easy. C'est vraiment très très facile de démouler. The Belgian praline is finished. La praline belge est terminée. The chocolatier sculpte. On peut discuter. Here it's Alexander. Ici c'est Alexander. Just here. Here. Je remplis. I tape for remove the bubble. Je tape pour retirer le bulle d'air. I take out. Do it. After crystallization, it's a beautiful little teddy bear. Après cristallisation, c'est un magnifique petit teddy. Here it's unmade, it's open here. Ici c'est fait main, donc c'est ouvert, but for the factory it's totally closed. Mais en fait, en machine est complètement fermé. And the price is different too, of course, et le prix bien entendu différent.